que tu me dis Dieu? Oh, pourquoi t'es que tu me dis Dieu? Il dit, j'ai pris soin de toi. Depuis le début. Et je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Autour de toi, plusieurs sont tombés. Ce vent est en train de souffler. Or, je vois les clés. Assieds-moi. Je vois les clés d'une maison. Assieds. Je te vois propriétaire d'une maison. Assieds-moi. Entendons cela. Pardon. Il restaure ta vie. Restaure la vie. Tu sors de la prison. Comment ton prison? Au nom puissant. Allez dans la prison. Et la mort. Et puissance de Dieu. Amen. Je suis en train de voir un homme qui entend dans ma vie. Je vois un homme qui te fait mal. Dis-le maintenant. Et de voir Seigneur. Assez-vous plus dit.
enseigné pendant 6 jours. 6 jours. Mais tu n'as pas perdu l'enfant. Bah, est-ce qu'il y a une femme qui a 6 enfants? Une seule femme dans la salle qui a 6 enfants. Et nous, on a 6 titres. Qui a 6 enfants? 6 titres. 6 enfants, maman, viens. 6 enfants, ok, viens. Mais mets ta main sur la porte. Où tu vas mettre ta main sur la porte? Mets l'autre main derrière. Et mets l'autre main derrière. Mets l'autre main derrière. Je t'ordonne, éloigne-toi d'elle. Tu as des rapports avec elle. Tu as des rapports avec elle. Cette fois-ci, la grossesse ne tombera pas. Cette fois-ci, la grossesse ne tombera pas. Je scelle ma femme. Je scelle ma femme. Je scelle ma femme. Oui, elle va céder. J'oublie. Mais la grossesse ne tombera pas. Je scelle ma femme. Jusqu'à la croissance. Au nom de Jésus. Jusqu'à la croissance. Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 1, allons-y. 1 Samuel 18. Nous lisons la parole de Dieu, étant debout, s'il vous plaît. Allons-y. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. David avait fait quoi? David avait achevé de parler à Saül. Allons-y. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. À l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna les 7 vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Attends, allons-y tout doucement à partir du verset 1er. Allons-y tout doucement. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Allons-y. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Continue. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Dis voisin, sais-tu que le chemin est long? Do you know that the journey is long? La Bible parle d'un homme appelé Saül. La Bible parle aussi de Jonathan. On parle de Jonathan. Et la Bible parle de David. L'Écriture explique ceci. The scripture explains. Voici quelqu'un que Dieu va aller chercher dans les champs. Yet somebody God will look for in the bush. Nous savons tous que David était berger. But know that he is shepherd. David n'est jamais allé à l'école. David never go to school. David était un berger. He was a shepherd boy. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et la Bible dit que ce jour-là, on a Saül va désobéir à Dieu.
to God. Et Dieu va envoyer le prophète Samuel, God will send Samuel pour aller consacrer David. Consacrer David. Chose bizarre. Strangely, il est vrai que Saül a désobéi à Dieu. True that he disobeyed to God. Mais son temps de règne humain n'était pas encore fini. Was not yet over. Mais Dieu, dans le secret, va encore choisir une autre personne. Went to choose somebody. Le nom de David, the name of David, pour l'établir en tant que roi. Mais quand David a reçu l'onction, il est devenu roi. Il n'est pas devenu roi automatiquement. Il a connu des étapes. He went some steps. Dis à quelqu'un, fais attention. Be careful. Ce matin, je vais m'adresser à ceux qui ont reçu l'appel. I want to talk about those who have received a call. Et je vais m'adresser aussi à ceux qui ont reçu une destinée. And those who have a destiny also. Quand tu reçois l'appel de Dieu, when you receive a calling of God, garde-toi. Keep yourself. De t'exposer publiquement. To expose yourself publicly. Si tu n'as pas fini ta formation. If you have not finished your training. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand Dieu t'appelle pour le servir, when God calls you to serve, l'appel n'est pas le ministère. The calling is not the ministry. Non. No. L'appel, the calling, n'est pas le ministère. Dis à quelqu'un, fais attention. C'est be careful. L'appel, the calling, n'est pas le ministère. It's not the ministry. Quand Dieu t'appelle, when God calls you, le temps de l'appel, c'est le temps de la préparation. The time of preparation. Le temps de la formation. The time of training. David a reçu lui sur sa tête. David received all of it. Il était appelé à la royauté. He had been called to become a king. La Bible dit, Bible says, il travaillait toujours. He worked always near Saül. Saül. Tu peux recevoir l'appel de prophète. You may receive a call of prophet. Tu peux recevoir l'appel de docteur. You may receive a call of doctor. Tu peux recevoir l'appel d'apôtre. A call of apostle. Il faut une formation. You need a training. Un soldat sans formation, a soldier without training, est un soldat faible. He's a wicked, weak. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Do you understand what I'm saying? Dis à quelqu'un, garde-toi de t'exposer. Keep yourself, not expose yourself. Dis encore, garde-toi de t'exposer. Don't expose yourself. Les disciples que Jésus a sélectionnés, les disciples que Jésus a sélectionnés, quand ils sont venus travailler auprès de Jésus, Jésus a pris les 12, tous les 12, mais il n'a pas fait d'apôtres. Did he make them apostles? Sur le champ. On top them. Tu peux recevoir le don de la prophétie. Mais ici, le gift of et tu peux ne pas être prophète. You may not be a prophet. Tu peux être diable. Mais et avoir le don de la prophétie. And have a gift of prophecy. Tu peux avoir le don de l'interprétation des sons. Mais have a gift of the et t'en chante. Dream, mais ça ne fait pas de toi un pasteur. Ça ne fait pastor. Pas de toi un prophète. That'll make you a prophet. Attention. Be careful. Faisons la part des choses. You have to make, il y a le don. There are the gifts. Il y a le ministère. And the ministry. Il y a le don. There are the gifts. Il y a le ministère. And ministry. Nous avons 5 ministères. You have 5 et 9 dons. Faisons attention. You should be careful. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pas parce que. Not because. Quand tu tombes sur l'onction. You under the anointing. Tu commences à prophétiser. You prophesy. Que tu es prophète. It means you are a prophet. Le don est différent de le gift is different of the calling. Différent du ministère. And of the ministry. Quand Dieu t'appelle, when God calls you, il y a le temps de la préparation. The time of preparation. Si tu n'as pas été préparé, if you are not prepared, il ne peut pas t'envoyer. He cannot send you. Raison pour laquelle je ne crois pas quelqu'un qui dit qu'il sait Dieu that et qui passe son temps à prêcher sans manifester les dons de la puissance. Somebody who preach and without manifesting the gift of power. Il y a un problème. Power. There is a problem. La Bible dit Jésus agissait en acte, yes, moving, en parole well, et en puissance. And in power. Jésus prêchait et il manifestait les dons de he puissance. Gift of, tu peux apprendre à prêcher. You can learn to preach. Oui. Raison pour laquelle il y a école pastorale. That's why we have a Bible school. Tu peux apprendre à enseigner. You can learn to, how to teach. Sans que tu n'aies le ministère sur toi. Without having a ministry over you. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais prophétiser. But professor. Guérir. Délivrer. Deliver. Ça ne s'apprend pas. C'est Dieu qui donne. Don't learn. God who brings. C'est là où on voit qui Dieu a réellement appelé. And then we see who God has really called. Parce que quand Dieu appelle une personne. When God calls somebody. Même dans sa prêche. Il y a une onction. Une puissance. Elle parle. Accompagnement. Ses paroles. Your word. As-tu l'appel? Do you have a calling? Où as-tu le ministère? Or do you have a ministry? Quand tu as l'appel, when you have a calling, tu es en formation. You are in training. Quand tu marchais avec Jésus, when you were walking, personne ne s'appelait apôtre. Nobody was called apostle. Personne ne s'appelait prophète. Nobody was called. Personne ne s'appelait docteur. Nobody was called doctor. On les appelait des disciples. Un disciple, c'est celui qui est un. En formation. Le disciple is the one who is disciple, c'est celui qui est en formation. Disciple, mais tu ne peux pas être disciple. Disciple. Et tu vas t'auto-proclamer prophète. Pasteur. Apôtre. Apostle. Tu t'exposes. You expose yourself.
Je connais une servante de Dieu, un jour elle me disait, elle n'a pas besoin d'aller à l'école pastorale. Elle, le Saint-Esprit lui parle. But God, the Holy Spirit spoke to me. C'est très grave. Very dangerous. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est très grave. Very dangerous. Même dans la Bible, il y avait l'école des prophètes. Even in the Bible, school en réalité, l'école pastorale, Dieu ne donne pas le don. Exactly. Mais ça nous amène à être disciplinés dans le travail. Give up the discipline. C'est une formation. It's a training. Tu n'as pas été formé, tu vas faire quoi? Trained, how can you do it? Mais souvent, ils donnent des messages. Tu sais que même, c'est même pas Dieu qui parle. You know that it's not God who comment tu peux regarder quelqu'un qui dit que Dieu m'a dit, je dois me laver dans ta maison, dans ta chambre? How can look at pourtant la douche est dehors. We have a bathroom Dieu there. M'a dit God said, la couleur qui va avec toi c'est la couleur tout rouge. The color go tu dois t'habiller en tout rouge. Tout red. Dis à quelqu'un fais attention. Be careful. Dis à ton voisin as-tu la paix ou le ministère. You have a calling on the ministry. Dis encore plus fort as-tu la paix ou le ministère. You have a calling on the ministry. Dis encore as-tu la paix ou le ministère. You have a calling on the ministry. Je parle à quelqu'un. Amen. David a reçu l'onction. David received the anointing. Pour devenir roi. To become king. Des étapes. You went from il a connu un parcours. You are, quel est ton parcours? What is your journey? Regarde ton voisin, c'est quoi ton parcours? Look at your neighbor, say what is your journey? Quand nous servons Dieu, when you serve the Lord, apprenons à être disciplinés. Learn to be disciplined. Et apprenons à être humble. Learn to be humble. Dans la vie, il y a des étapes. We live there are steps. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, dis il y a des étapes. There are steps. Dis encore il y a des étapes. There are steps. Allons-y doucement. Go slowly. Car le zèle amène nous détruit. Mais le zèle doux nous fait réussir. Donc David a commencé à servir Dieu. David began to serve the Lord. Auprès de Saül. Yes, Saül. Il n'est pas venu en tant que roi. Mais il est venu en tant que disciple. Pour apprendre. Il savait ce que Dieu lui avait dit dans le secret. You want God has told him a secret. Il savait l'onction qui était sur sa tête. You may not know it. Quand vous recevez dans vos églises, when you receive your quand vous êtes des leaders, when you are leader, et vous recevez des personnes autour de vous, you receive people qui ont la paix, mais qui n'ont pas encore fini la formation, qui commencent à se donner des titres, they begin to get the title. C'est une rébellion qui est dans l'air. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est une rébellion qui est dans. Rébellion. Il faut faire attention. On peut faire rébellion contre toi trois fois. Three times rébellion. Pas dix fois. Pardon, 10 times. C'est que toi-même tu as un problème. Et you yourself you have a problem. Quand Dieu t'appelle. When God call you. Tu te dois d'être discipliné. You have to be disciplined. David. David. A servi. Serve. Auprès de Saül. Yes, Saül. Je vais maintenant continuer mon chemin. Now continue my journey. Parce que j'étais en train de poser les fondements. Regarde ton voisin, dit le chemin est long. C'est le journey is too long. La Bible déclare que quand David arrive au palais, when David reached the palace, il vient en tant que joueur de harpe. Il avait la paix de la royauté. You are not here. Mais le temps n'était pas encore arrivé. David was not here. Il est venu au palais en tant que joueur de harpe. Il jouait les instruments. We play instruments. Apaiser l'esprit de Saül. To cool down the spirit of Saül. La Bible dit quand il entrait dans le palais. When he entered the palace. Il va croiser le prince qui s'appelle Jonathan. He met the prince Jonathan, Jonathan qui est le fils de qui? Saül. Jonathan was his father. La Bible déclare qu'ils vont commencer à marcher ensemble. They began to walk together. Et David a dit à Saül. David said to Saül. Il dit le palais me plaît. The palace I like. Oh roi. King. Prends-moi. Take me. Je veux servir. I want to serve. Near you. Quand il a fini de dire ça, when he said this, quand il a fini de dire ça, Saül, when he said this, Saül le prend. Saül le prend. La Bible dit, Baba quand said, il rentre dans le palais, when he entered the palace, il commence à marcher, he began to walk avec le fils du roi, of the king, qui était qui? Where? Jonathan. Jonathan. La Bible dit ils vont faire chemin ensemble. They make way together. Jonathan lui donne sa ceinture. Jonathan lui donne son manteau. Give him et Jonathan lui donne son épée. Give him a sword. Le chemin est long. The journey is long. Écoute très bien mon message. Listen, dans ta vie, your life, quel que soit le niveau où l'Éternel t'a emmené, ne méprise jamais never despise celui que tu trouves derrière toi. You have to find your life. Dans ton parcours, your journey, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton pouvoir, quel que soit tes moyens, ne méprise jamais celui qui est rien aujourd'hui. You have nobody today. Je parle à quelqu'un. Jonathan, n'a pas regardé le présent de David. Il savait que David était un berger. Mais il a su discerner en lui l'élévation. Le chemin est long. Mais pourquoi certains meurent en chemin? Why people die from people die? Ils ont souvent la méchanceté dans les cœurs. They have weakness in their hearts. Ils ont souvent ce qu'on appelle l'orgueil. The pride. Parce que pour lui, for him, il est élevé aujourd'hui. He has been raised. Demain, il ne peut pas tomber. Tomorrow he cannot. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais ton futur? Do you know your future?
Regarde ton voisin, demande-lui, vous dites, est-ce que tu connais ton futur? Do you know your future? Dis encore, est-ce que tu connais ton futur? Do you know your future? Le plus souvent dans ce pays, nous sommes. Quand tu rencontres des gens qui ont la nationalité, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu deviens leur esclave. You become their slave. Tu deviens leur esclave. Become their slave. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu deviens leur esclave. You become their slave. Parce que la personne a la nationalité. La personne va te traiter comme un moins que rien. Like nothing. Pourtant, ces papiers que nous avons, le jour où Dieu vient nous prendre pour partir, ça reste. C'est cela, Salomon dit vanité des vanités. Tout est vanité. Si Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui, aujourd'hui ça va chez toi. Si tu vois ton prochain qui n'a rien, aide-le. Parce que le chemin est rempli d'épines et le chemin est très long. Il y a eu des personnes qui avaient des logements, mais aujourd'hui qui se sont retrouvés à la rue. Souvent tu es béni quand tu tombes. Sometimes tu as fait à tout le monde. Mais quand tu étais béni, tu as été qui? You are blessed, who did you help? Tu as fait qui? Who did you tu as partagé avec qui? Did you share with whom? Je sais une seule chose. Quand Dieu te lève, même si tu as semé dans la vie des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, le ciel sera reconnaissant vis-à-vis de toi. Quand un homme sème ce qu'il a semé, il le moissonnera. David était berger. Well, shepherd. David était joueur de harpe. Well, player à instrument. Mais Jonathan, Jonathan était prince. Well, prince. N'a pas regardé sa situation présente. Quand tu marches avec une personne, when you work with somebody, et que dans son présent il n'a rien, and in prison you have nothing, faut pas le mépriser. Don't despise him. La Bible dit, ne vous inventez jamais du lendemain. Never. Parce que vous ne savez pas ce que le lendemain peut. Don't think about it, but tomorrow yourself. Qui aurait cru? Who can? Qui who aurait cru who que Salomon, Salomon qui est sorti who came out des entrailles d'une femme qui a commis l'adultère avec dirigé un jour Israël? Qui aurait cru? Who believe it? Adonijah l'a méprisé. Adonijah despised him. Qui aurait cru? Who can believe it? Absalom, Absalom l'a méprisé. Despised. Qui aurait cru? Who believe it? C'est ainsi les gens te méprisent. The way mais le chemin est long. Je sais que Dieu réserve des surprises dans ta vie. Cette année 2020, tu ne vas pas finir comme tu as commencé. Je dis, il y aura des surprises cette année. Il y aura des surprises cette année. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va changer. Un miracle va se produire. Au nom de Jésus. Si tu dois résister, ou si tu veux résister, au nom du chemin, Dieu va te tisser des alliances. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, il me faut une alliance. You need a covenant. Tout ce que vous dites, il me faut une alliance. You need to make a covenant. Souvent on dit qu'on est fort. Sometimes you are powerful. Qu'on est puissant. You are powerful. Qu'on a les moyens. You have means. Moi je n'ai besoin de personne. I don't need anyone. Même Dieu. Even God. Il a besoin de vous. You need us. Parce que Dieu pour agir. God to move. Dieu ne descend pas. Dieu suscite une personne. Et c'est cette personne qui vient vers toi pour te faire du bien. Donne dans ta vie, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ton autorité, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu comprends ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Dis à quelqu'un, fais comme ça. Est-ce que tu comprends? Do you get me? Dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Do you get me? Touche quelqu'un, faut-tu encore, est-ce que tu comprends? Do you get me? De nos jours, now, est-ce que tu peux voir un prince qui va faire amitié avec un artiste? We are not un joueur de harpe, c'est pour faire quoi? Happy. Avec un berger. A shepherd. Mais Jonathan, Jonathan n'a pas regardé cela. Then look at il a fait alliance. He made a covenant avec David. With David. Avec qui tu marches? With you are working. Qui tu es? Determine who you become tomorrow. Dis à ton voisin avec qui tu marches. The one you are working with. Determine qui tu es. Determine who you are. Ce qui nous amène souvent what brought us to à ne pas résister, not to resist, au long du chemin, c'est notre ingratitude. The ungratefulness. Quand tu vois des gens souvent Dieu enlevé dans la pauvreté, well, si qui sont devenus quelqu'un. Quand tu regardes leur comportement, well, c'est comme si ils n'ont jamais été pauvres. L'eau chaude. What, what, tu dois reconnaître que hier, yeah, elle était froide. It was cold before. Et à tout moment, elle peut refroidir. Ça veut dire quoi? Cold. Dans la vie, quel que soit où tu es, it doesn't matter wherever you n'oublie are. Pas ton parcours. Don't forget your journey. N'oublie pas où Dieu t'a pris. Don't forget where où Dieu t'a cherché. Why don't forget demain, where God is. Stay humble. Je parle à quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin, faut dire reste humble. Stay humble. Dieu parle à quelqu'un, faut dire reste humble. Stay humble. Dieu parle à quelqu'un, faut dire reste humble. Be humble. Dieu parle à ton voisin, faut dire tu dois rester humble. Be humble. Dieu parle à quelqu'un, faut dire tu dois rester humble. Be humble.
Il y a des gens quand tu les vois aujourd'hui. People when you see leur comportement. Today, c'est comme s'ils ne vont jamais passer. La Bible dit une génération vient. A generation go après. Et pas. Go. Après une autre vient. And another come. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un soit un. Be humble. Dis encore du voisin soit un. Never be humble. Dis encore voisin soit un. Never be humble. Parce que le chemin est long. Because the journey is long. Dis encore voisin soit un. Never be humble. Parce que le chemin est long. Because the journey is long. David. A commencé à marcher avec Jonathan. Walk with Jonathan. Et regardez ce qui va se passer. Look at what happened. La Bible dit partout. Everywhere. Où Saül envoyait David. And Saul said, David réussissait. He succeeded. Quand Dieu t'a béni, when God il approuve tes voies. He tested your ways. Je parle à quelqu'un. Amen. Partout où Saül envoyait David. Everywhere David réussissait. He succeeded. Et la Bible dit, the Bible says, quand le tour de David est arrivé, when the turn of David pour régner, to reign. Vous savez, you know, quand un nouveau roi vient, when a new qu'est-ce qu'il doit faire? What happened? Selon la loi en Israël. According to the law of Israel. Qui peut me dire? Who can tell me? Quel autre roi a régné? Et quand un nouveau roi vient, what qu'est-ce qu'il fait? What happened? Il doit exterminer you have to kill toute la famille all the de l'ancien roi. Of the old king. Vous savez pourquoi? You know why? De peu qu'il y ait rébellion. So that, so that. Amen. De peu qu'il y ait so rébellion. Rébellion. Quelqu'un dit amen. Somebody. De peu qu'il y ait rébellion. Mais regardez ce que David fait. Look at David ne va pas tuer David la famille de Saül. The family of Saül. Quand David prend le trône, went to the throne. David a demandé après quelqu'un. He asked somebody. Il dit ne reste-t-il pas quelqu'un? Is he de la maison de Saül. From the house of Saül. Je veux lui faire du bien. I want to do good. On dit si. Said, il reste quelqu'un. Il reste quelqu'un. Ça s'appelle comment? Because Mephibosheth. Mephibosheth. Je parle à quelqu'un. Attends, le bien que tu fais aujourd'hui, the good you are doing ce n'est pas pour un récolter aujourd'hui. Not to c'est pour ton futur. For your future. Les œuvres que tu poses what you are doing dans la vie de ton prochain, ce n'est pas pour récolter aujourd'hui. Même si toi tu n'as pas récolté le fruit de tes entrailles, ils vont récolter ça. Parce que quand tu es béni, il bénit jusqu'à la quatrième génération. Donc toi aussi tu sais, when tu sais pour moissonner jusqu'à la quatrième génération. La Bible déclare qu'Isaac n'était pas encore né. Mais quand Abraham a payé la dîme, la Bible déclare qu'il a payé la dîme aussi d'Isaac et de Lévi. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? You understand what I'm saying? Quand David, when David dans le palais, tout le palais, il dit ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül? Il veut je veux lui faire du bien. Do good to him. Et on va chercher Mephibosheth. And went to look for Mephibosheth. Retenez ceci. Look at what happened. Mephibosheth était quelqu'un qui était sale. He was a dirty man. Mephibosheth, Mephibosheth n'aime pas se laver. He doesn't like to deux, first. Il n'a pas eu d'enfant. Toi, il n'était pas marié. We're not getting parce qu'il est sale. Because he's dirty. Mais David. David n'a pas regardé à sa saluté. He didn't look at his David a regardé au bon Dieu que son père a posé dans sa vie. Quand ça ne va pas chez toi, when it's not well, tu te plains, oui. Complain. Mais hier, quand ça allait, tu as aidé. But yesterday, who did you help? Quand tu as aidé des personnes, when et même si ta maison était comme un carré fou, comme un hôtel où tu as hébergé des personnes, le ciel ne peut jamais people te laisser tomber. Les sons que tu as été peuvent te laisser tomber, mais la rosée du ciel ne va jamais t'abandonner. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, apprends dans tes épreuves. Learn in your trial. Dis à ton voisin, faut lui dire, apprends dans tes épreuves. Learn in your trial. Dis à ton voisin, dans ta gloire. In your glory. N'oublie pas ton parcours. Don't forget your journey. Dis encore, dans ta gloire. In your glory. N'oublie pas le chemin parcouru. Don't forget your journey. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit, il allait prendre Mephibosheth. You want to take Mephibosheth? La Bible déclare que c'est son serviteur qui a dit. Il s'est avancé. Son serviteur Siba. Il dit si. Say. Il reste quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth. Il habite dans la maison de Maki. Allons, débat. Peut-être que ton père maybe your father a aidé des personnes de son vivant. Il y a people when he was alive. Non, je dis, tu n'as personne, ce qui compte. Mais si, tu as quelqu'un, ce qui compte. C'est vrai qu'il n'est pas visible. Il est invisible, mais il est visible par ses œuvres. Tu dois compter sur Dieu. Tu dois compter sur sa grâce. Tu dois compter sur la promesse. Tu dois compter sur ta destinée. Tu dois compter sur la prophétie. Tu dois compter sur la faveur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Do you understand what I'm saying? On va prendre Mephibosheth. When to take Mephibosheth? Mais c'est qui m'a marqué? What that mean? Le serviteur d'ici. Le serviteur d'ici. Mephibosheth là. Mephibosheth. Lui qui a les deux pieds pecs. We one was crippled. Et il était infime. Was crippled. Il ne marchait pas. We're not walking.
Je parle à quelqu'un. Amen. Souvent quand Dieu veut vous bénir, sometimes il y a toujours l'accusateur qui va rappeler vos défauts. Mais la bénédiction de Dieu ne regarde pas ton défaut. La prophétie ne regarde pas ton défaut. L'élévation ne regarde pas ton défaut. L'élévation obéit à ce que Dieu dit. La gloire obéit à ce que Dieu dit. Ta promesse obéit à ce que Dieu dit. Je vois ton mariage obéir. Je vois ton élévation obéir. Je vois ta prospérité obéir. Je vois le miracle de Dieu dans ta vie obéir. Si j'étais à ta place, j'allais me lever pour donner un amen fort. Et je reçois la bénédiction. Mes amis, friends, mes amis, friends, soyons un. Be humble. Au long du chemin. God is long. Soyons remplis d'humilité. Be humble. Soyons remplis de tolérance. Be et soyons tolérant. Remplis d'amour. Be full of love. Que le mépris no, ne soit pas dans votre cœur. Not in your heart. N'oublions pas. Don't forget. L'ascenseur. The lift. À toutes sortes de numéros à l'intérieur. Have any kind of number inside. Je parle à quelqu'un. Yes. Même si tu es au dixième. Even if you are 10. Faut pas oublier qu'avant d'aller au dixième. Don't forget that before you. Tu as dépassé d'abord zéro. You will pass zero. Un. One. Deux. Two. Trois. Three. Quatre. Four. Cinq. Five. Six. Six. Sept. Seven. Huit. Eight. Dix. Nine. And ten. Je parle à quelqu'un. Amen. Sans oublier 9 et 10. Don't forget 9, 8 and 9. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, sois un. Be humble. Et souviens-toi. And remember. Ce qui souvent nous amène à être insolents. What they bring us arrogant. And arrogant. Et orgueilleux. And pride. C'est parce que nous sommes inconscients. Because you are inconscient. Et ingrats. And ungrateful. Du point de départ. From where you are coming from. Si tu veux être humble devant Dieu. If you have to be humble before God. Tu dois d'abord être humble devant ton prochain. Be humble before your neighbor. Si tu dis que tu aimes Dieu, if you love tu dois God, d'abord aimer ton prochain. You have to love your neighbor. L'amour là, tu l'aimes tel qu'il est. You love him the way sans jugement, without judgment, sans condamnation, without condemnation. Amen. Glory be to the Lord. David, David, à cause du bien de Dieu, because of the goodness of Jonathan, il n'a pas touché à sa famille. He didn't touch his family. Quand Dieu t'élève, when God raises you up, s'il te plaît, please, ne crasse personne. Don't walk over people. Quand Dieu t'élève, s'il te plaît, n'écrase, 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 ne condamne personne. Je parle à quelqu'un parce que le chemin est long. Because the journey is still long. Faut dire à quelqu'un le chemin est long. The journey is still long. Quand tu vois, when you see, sur le chemin, il est on the journey. Quelqu'un qui dit, somebody say, je serai fidèle. I'll be faithful. Je serai loyal. I'll be, je serai ceci. I'll be so. Je serai cela. I'll be so. Faut faire attention. Be careful. Un homme qui est loyal. Somebody who's loyal. Il ne dira jamais que je serai loyal. He will never tell you. Tu le ressens par ses actes. You feel it through his actions. Attention. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Pour connaître une personne. You know somebody. N'écoute jamais ce qu'il dit. Never listen to what he's saying. Il faut regarder ce qu'il fait. Look at what he's doing. Parce que ce qu'il dit en réalité ne détermine pas sa personnalité. Je veux que tu vas vous simplifier. Ce qu'il dit ne détermine pas ce qu'il est. It doesn't determine mais c'est les actes qui pose, doing, qui définit ce qu'il est. What he's doing. Pierre dit à Jésus, Peter said, maître, je suis avec toi. Pas une chose n'arrive. Ça qui vous n'a pas. Jésus dit avant. Jésus dit moi ça. Bien, le jour où j'ai arrêté Jésus. Mais dès qu'il a arrêté Jésus. Dis toi Pierre. C'est you Peter. Tu étais avec le maître. You are with the master. Il dit moi. C'est lui. Je n'ai jamais connu. I never seen him. I don't know him. I don't know him at all. No, no, no. Je l'ai. I don't know him. Jamais connu. I said I don't know him. I don't know him. I don't know him. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Ils sont fidèles quand tout va bien. They are faithful when everything is well. Quand la tempête se lève. When the storm comes out. Ils te laissent au long du chemin. They abandon you. Mais ce qui t'amène. What bring you? Atteindre tes objectifs. To reach your focus. C'est ta fidélité vis-à-vis de Dieu. Et les bonnes œuvres que tu as posées dans la vie d'autrui. C'est ce qui t'accompagne. Gloire à Dieu. Ne t'appuie jamais sur la fidélité d'une personne. Don't start over somebody. Aucun homme n'est fidèle sur la terre. Nobody is faithful. C'est Dieu qui nous rend fidèles. God will make us faithful. Raison pour laquelle il a dit. He said, si vous êtes fidèle dans les petites choses, if you are faithful, moi Dieu, me je vous rendrai fidèle. I will make you faithful in the great things. Donc quand quelqu'un te dit il est fidèle, when somebody tell you are faithful, regarde d'abord dans son parcours, dans sa vie. Look at his journey. Il a été fidèle depuis quand? Was he faithful when since when? Gloire à Dieu. Amen. Le chemin. The journey. Très long. Long. Je vais vous raconter une anecdote. Écoutez-moi très bien. Il y avait quelqu'un qui était très fort en ivoirien. Somebody also pas. Je n'ai pas son nom. I will not tell his name. Et qui jouait au foot. Play football. Well. Hey, on chantait son nom partout. Song his name everywhere. Mais un jeune qui a grandi au nouveau quartier. Bro, somewhere.
Quand Dieu a commencé à le bénir, when God began to bless him, son coach qui l'a formé, we want to train him. L'appelle. Call him. Il dit lui, allô, c'est qui? C'est où, allô? Le coach dit, c'est André. Il s'est André. Je ne te connais pas. I don't know him. J'ai vu son coach qui pleurait au complexe sportif. I saw the coach. Il dit, mon petit est formé, il ne peut même pas m'envoyer ballon, même maillot pour donner à ses petits. The one that train cannot even bring him. Même un bonjour. Even morning. Il peut même arriver au club, on va prendre des photos. Cannot even picture. Il a oublié son parcours. Forget his journey. Il a oublié où l'Éternel est allé le prendre. He forget where the Lord a fait de lui ce qu'il est. Who he is. Raison pour laquelle je dis toujours, les ingrats là, ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Il est grateful to God. Parce que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. C'est eux qui ont réussi. Quand tu es ingrat, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Not God will bless you. Non. 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 Parce que Dieu peut te bénir. God bless you. Il t'apprend le parcours. Il t'a dit, let him. Quand tu es ingrat, when you are ta bénédiction, là, ça ne vient pas de Dieu. That come from the Lord. Quand tu es arrogant, when you are quand tu es orgueilleux, ta bénédiction ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Je ne crois pas en ça. I don't believe in it. Quand Dieu t'a béni, when God bless tu reflètes son caractère. You are et tu es humble. Jésus sur la terre dans la peau d'un homme était rempli d'humilité. Full of humility. Tu es béni. Dieu bénit ta semence. Dieu bénit ta semence. Sois béni. Acclame le Seigneur. Un grand prophète, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur de sa vie. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu t'a béni, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel. Ne suffit aucun chagrin. Mais c'est qui est riche. Regardez le joueur, comment il est devenu. Look at the player, what they can become. Certains sont assis, ils savent de quoi je parle. Some people are sitting here, they know what I'm talking about. Mes amis. Friend. Un matin. One morning. Un matin. One morning. Il a été ruiné. He went down. Même Abidjan il se cache. Oui, Abidjan, back home, he hide himself. Abidjan il se cache. He hide himself. Il a même fermé son Facebook. He closed up his Facebook. Because of the shame. Une femme l'a ruiné. A woman took away everything. Quand tu es orgueilleux, when you are pride, et tu es ingrat, and you are angry, tu n'es pas reconnaissant, and you are not, Dieu envoie le dévoreur. God bring the dévoreur. Il te ramène au point de départ. Il te ramène à la case départ. La bénédiction de l'Éternel. The blessing of the Lord. Celle qui enrichit. Make him rich. And then tu vois quelqu'un qui est béni. Un matin il est tombé. And down. Tu vois Dieu qui l'a béni. And not God who bless him. Non. Non. J'ai croisé un jeune qui m'a dit non, mais en fait, on va aller voir un vieux père là que Dieu utilisait avant. God used before. J'ai dit le fait même tu m'as dit Dieu l'utilisait avant. He said God used him before. Je ne peux pas aller là-bas. I cannot go there. J'ai besoin de quelqu'un que Dieu utilise maintenant. Ah, pas oui. Pas oui. Toi tu as l'avenir, tu veux marcher avec quelqu'un qui est dans la préhistoire, ça pouvait voir. You are the future, you want to go to the past. Ça peut détruire ta vie. To destroy your life. Avant le voir, ben, Dieu l'utilisait avant. Le même que tu m'as dit avant, mais c'est pas. Le même before, il a abandonné. Pourquoi avant? Why before? Écoutez bien. Listen. Élie. Elijah. Dieu l'a utilisé pendant son temps. God used him his time. Après, Dieu l'a pris. And God took him away. Il y a eu Élisée. Mais Elisha. Quand tu sais Dieu, tu vis. When you serve God, tu ne dois pas dire que Dieu l'utilisait avant. Then you have to say that God used him before. Je parle à quelqu'un. Faites attention. Be careful. Il y a un homme de Dieu. A man of God. Qui avait un grand nom. We have a great name. Il y avait un homme de Dieu. A man of God. Qui avait de l'influence. We have a influence. Écoute-moi bien. Listen to me. Il a pris son costume. Took his. Ici en France. Suit. Yeah, in France. Merci mon fils. Sois béni. Mm. Il a pris son costume. Took his suit. Et il a donné ça à un pasteur ici. He gave to a pastor here. Dès que le pasteur. What I'm saying. Cet homme là. That man. Il a pris son costume. Took his suit. Il a donné à quelqu'un. He gave somebody. Qui avait ses brebis. Where have you? Il avait un bon nom. Where have you? Dès qu'il a porté son costume. Where is he? Prison. Gardien. Avec qui tu te connectes? We want to connect yourself. Détermine. Détermine. Ta destinée. Your destiny. Moi. Me. Je ne veille pas sur ma vie de sanctification. Parce que c'est pas un problème pour moi. Je ne veille pas sur ma vie de prière. Ce n'est pas. I don't work with my prayer. Je veille sur mes connexions. I work with my connections. Hey. Le jour, the day, tu te connais à une mauvaise personne. You connect yourself to the wrong people. Ta vie est finie. Your life is over. Je suis allé au Bénin. I went to Benin. L'homme de Dieu m'a donné une chair. The man of God gave me. Il dit, je veux que tu prêches sur la chair. I want you to preach there.
Je suis assis là sur le podium. I was sitting there. Mes yeux s'ouvrent. And my eyes were open. Je vois la chair comme un serpent. I see like a snake. Tu sais ce que j'ai fait? Do you know what I do? Moi, je contourne la chair. I went there. Je suis arrêté là. I stood there. Et je m'habille, je prêche. I preach. Il me dit, mais il envoie quelqu'un pour me dire. Come and tell. Mais va sur la chair. Go to the chair. There's prophet. Il y a des pépites où tu montes pour prêcher. Mais après, puis où? Ton ministère s'arrête. Your ministry stopped. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des hommes, s'ils rentrent dans ta vie. There are men who il t'a touché une fois. Touch you once. Ta vie s'arrête. Your life stops. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Open your eyes. Dis encore, ouvre les yeux. Open your eyes. Donc je disais ceci. I was saying. Ce joueur. That player. A été ruiné. Went down. Il se cache maintenant. Now he hides himself. Il crie SOS partout. Aidez-moi, aidez-moi. Help me, help me. Shout personne ne veut l'aider. Nobody wants to help him. Parce que dans sa gloire, when he was in glory, il n'a pas fait des gens. He didn't help people. Apprenez toujours. Learn. Quand vous êtes grand, when you are great, à faire des personnes. To make people. Parce que le jour où vous tombez, the day you are done, les gens que vous avez fait, they want to help, peuvent vous réveiller. They can help you also. Je disais ceci. I was saying, quand Dieu vous a élevé, when God raised you up, apprenez à faire aussi des personnes. Let make people also. Et le jour où vous tombez, the day you are done, ce que vous avez fait, the peuvent vous réveiller. They can help you also. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Dans ta gloire, vous voulez les gens. Seulement parce que Dieu a voulu que David là, David prenne Mephibosheth chez lui. Then qu'il a fait. Non. No. C'est à cause des bonnes choses de son père. Because of the good works of his father. C'est que Jonathan a fait de son vivant did he well dans la vie de David. The life of David. David a regardé cela. David, look at it. Et ton père peut être en désaccord avec une personne. Your father can be in disagreement with somebody. Que tu dois soutenir ton père. Dans le temps, tu dois supporter ton père. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Ton père. Your father. Peut être en désaccord avec. Can be in disagreement with somebody. De quel désaccord je parle? Dans le disagreement, on parle. Là aussi, il y a deux cas. Il y a deux cas. Et que quelqu'un a manqué de respect à ton père. Le somebody lack. Et toi, tu dois faire alliance avec cette personne. Amen. Est-ce que tu peux être béni? Can you be blessed? Tu ne peux pas. You cannot. Là, je le fais parce qu'il y a une de mes filles qui me regarde. Quelqu'un a dit amen. Faut dire précision. Dis encore précision. Précision. Je dis, assez. Quand ton père ouais, est en désaccord avec une bonne personne, et cette personne n'a rien fait, et ton père en désaccord avec la personne, parce que ton père n'aime pas sa tête, fais attention. Be careful. Saül, il n'aimait pas David. He didn't like David. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que quand il regardait David, when look at il David, voyait David son remplaçant. He saw David that David took over. Il savait que David est venu au palais là. C'est pas pour jouer seulement là. God don't play instrument. Il sait que après lui, after c'est David qui va régner. David will reign. Donc il faisait tout. He will do everything. Pousser David. Push David. Pour le faire tomber. Pour le tuer. To kill him. Mais Jonathan. But Jonathan. Protégeait toujours David. Protect David. Pourquoi? Why? Parce que Jonathan connaissait le fond intérieur de David. He know the heart of. He knew the heart of David. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous voulez être béni? You want to be blessed? Qui va être élevé? Want to be blessed. Le secret je te donne. The secret I give you. Il faut avoir un bon fond. Have a good heart. Il faut avoir un. Have a good heart. Il faut pas méditer le mal contre ton prochain. Don't meditate evil against your neighbor. Quelqu'un m'a appelé un jour, j'ai rêvé, tu es mort. Il dit c'est toi même qui a mouru et puis c'est quelqu'un pour t'enterrer. Tu es normal? Are you normal? I dream you. Regardez-moi ça. You were dead. Only this on your journey, only this dream you got for me. Et après, monsieur, en réalité, il marche avec mes ennemis quand il est rêvé. He walked with my enemies. Tous les mauvais rêves, les ennemis sur ma vie. Les rêves vont se réaliser sur eux-mêmes et sur les familles. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en ton miracle? Dieu bénit ton miracle. Est-ce que tu crois en ton miracle? Dieu bénit ton miracle. Est-ce que le message te fait du bien? Nous ne sommes plus au temps de tu seras béni, tu seras élevé. We are not in time of je t'enseigne ce qui peut t'instruire. I'm teaching you what can dans ta destinée. Who can le caractère que tu dois avoir. The character you have to have. Quand tu es un bon fond. When you have a good tu ne fais pas 15 heures de prière. Not 15 hours of prayer. Dieu là, ce n'est pas les paroles qui sortent de ma bouche. Not only the words come out from you. Non. Dieu ne sauce pas les paroles qui sortent de ma bouche. Don't ask you to just hear the word. Dieu exauce. Yeah, hear the state of your heart. Parce que tu peux dire ce que tu ne penses pas. You can say what you don't think. Mais ce que tu penses, ça c'est dans ton cœur. What you think. C'est pourquoi la Bible dit Dieu sonde. God sets. Le cœur quoi? Lungs and heart. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? C'est du cœur là que provient les sources de la vie. From heart that come out of life. Travaillez. Work. Sur votre cœur. Over your heart. Quand tu es dans la présence de Dieu. When you go to the presence of God. Travailler. Work. L'état de ton cœur.
The state of your over your state of your hand. Ne médite pas le mal en ton prochain. Don't meditate evil against your neighbor. Quelqu'un veut te voir tomber. Somebody want to make you fall. Grant grace to the Lord. Je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un que tu as aidé. Somebody you helped. Que tu as fait. You made. Veut te voir tomber. Want to fall down. Rends grâce à Dieu. Grant grace to the Lord. J'ai un de mes pasteurs qui travaille avec moi à l'époque. One of my pastor. On a connu trop d'histoires. We have a many story together. Quand ce pasteur est parti. When went away. Tout Paris disait que le prophète y va son église. All the pastors, all Paris disait. Mais quand tu as bâti ta vision sur l'Europe, qui you peut la faire tomber? Who can make it fall down? J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en jeu. La pluie et le vent. La pluie et le vent. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Oh, la pluie et le vent. Et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Oh, la pluie et le vent. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais. Merci. Merci. Amen. Amen. Dimanche passé, j'ai fini le culte et je le rencontre dans le couloir. J'ai dit, mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon frère, je me cache juste à côté de toi. Dans mon cœur, j'ai dit, Dieu t'a emmené pour venir voir celui que tu as poussé pour le faire tomber. Devenir le contraire de tes œuvres. Cette année, tes ennemis viendront vers toi. Amen. Et ils verront que tu n'es pas le résultat de leurs pensées. Donc, quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis, ils verront que tu n'es pas le résultat de leurs pensées. Est-ce que tu crois en ton miracle? Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Qui aime la parole? Est-ce que le message t'a fait du bien? Amen. Dieu God est le chef d'église. Christ est le chef de l'homme. Christ est man. Le chef de la femme. Man, the king of women. Amen. Amen. Mais quand tu vis avec une femme when you a woman, qui manque d'attention et de confiance, that have affection, He doesn't give it to me. Là, quand je l'appelle, comment tu vas? Mais d'accord. Hey, papa, c'est le mec qui fait des documents. Je dis, mon fils, tu as compris le secret. Quelqu'un me dit amène fort. Quelqu'un me dit amène fort. Amen. Et même Dieu est d'accord pour cette loi pour protéger les femmes. God is agreed for Dieu this law to protect women. Parce que quand tu es une bonne femme dans ta vie, tout ce que tu fais te réussit. Quelqu'un m'a pas dit amen. Il est vrai qu'Adam est tombé par une femme, n'est-ce pas? Adam est tombé par une femme, c'est ça? Adam fell down by two women. Mais Jésus est venu par qui? Il est venu. Jésus est venu par qui? Il est venu. Par une femme, une bonne femme, elle se rachète toujours. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Suivez mon regard. Dans peu de temps, les jours sont comptés. They are counting numbers. Les mois sont comptés. Month and je ne parle pas d'années. I'm talking about years. Dit, dans peu de temps, c'est few moments. La gloire de Dieu the glory of the Lord va s'imposer. Il s'impose. Parce que quand Dieu veut ramener une nation à lui, when we want to bring a nation to him, il amène le dévoreur. He bring a devourer. Il dévore la nation. Who devour the nation. Qui piétine la nation. Walk over the nation. Dévore la nation. Devour the nation. Qui piétine la nation. Walk over the nation. Mais quand la fin, when the hand, du temps de ce devoureur, or the time is over, c'est la gloire de Dieu. And the glory of the Lord. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Somebody say amen. Dis avec moi, Côte d'Ivoire. Tu seras libéré. You'll be free. Dis encore Côte d'Ivoire. Tu seras justifié. Dis encore Côte d'Ivoire. Tu seras renouvelé. Dis encore Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'imposera à toi. J'ai vu un pays libre.
restauré. J'ai vu le régime changer. Par un vent radical qui s'est imposé. Radical win. Gloire à Dieu. Glory to the Lord.